Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout premier vidéo de notre partie de TEW 2020. Vous devez vous demander, mais quelle sera donc la partie de cette année 2010 que euh, euh, Retro Driver va jouer avec nous? Eh bien, j'ai tout regardé, les votes, et puis euh, le nom qui était revenu le plus souvent au moment où j'avais comptabilisé les votes, c'est ce à peu près une semaine après... Le. La tenue du vidéo que je vous avais mis en ligne. Et j'ai été vraiment surpris, mais agréablement, là, je dois dire, là, je trouve toujours ça le fun quand on a des, des nouveaux défis. Eh bien, c'est avec la Chicara Wrestling, donc, qui a été comme la plus populaire, ça, puis la PWG ont été vraiment, vraiment populaires. Euh, puis, euh, il y avait la FCW qui aurait été le fun aussi, mais je pense que, euh, on va pouvoir essayer quelque chose. Ça se peut que ce soit une partie qui soit un petit peu up and down, étant donné que euh, je pense que ça va prendre pas mal de travail avant qu'on puisse être quelque chose, d'offrir quelque chose d'assez régulier par rapport à notre show. On est habitué d'avoir la même routine. En tout cas, moi, je suis habitué d'avoir la même routine dans les parties qu'on fait. C'est que j'ai déjà des, des shows télé quand je commence. Puis, je, je fais mon, mon petit rythme. Puis, ça va comme ça. Pas rien d'autre. Puis, c'est tout. Euh, là, ici. On a une fédération qui est vraiment, vraiment pas populaire. Donc, il n'y a pas de, de show télé pour commencer. Donc, ça va sûrement être juste des événements une fois par mois qui vont faire qu'on va être en mesure de euh, d'avoir. Euh, de faire quelque chose. Puis on aura le temps de regarder tout ça ensemble lors de cet épisode-ci. J'aimerais ça qu'à la fin de cet épisode-ci, on ait au moins un show de fait. Euh, moi, j'ai pas mal préparé mes trucs. Euh, j'ai même fait des propositions à l'éditeur. Donc, au premier show, on devrait avoir une. Surprise, je ne vous parlerai pas trop de la carte ni de toutes ces affaires-là. Je pense que le premier show va juste tout mettre à euh, la, la table à qu'est-ce que ça va être là, le reste de, 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 de tout ça. C'est 2020 j'ai jamais vraiment fait une longue partie à TW2020, donc je vais apprendre le jeu à mesure. Hein? Mais je pense que je vais m'y retrouver quand même pas si pire. Regardons d'abord c'est quoi le produit de la. Chikara Pro Wrestling. Donc, on a notre, notre style qui est Lucha Entertainment avec notre produit, le noyau ouais, de notre produit est Comic Book Lucha Libre. Euh, on a le style Lucha Libre avec euh, un côté visuel Comic Books avec des grosses rivalités et des. qui se jouent dans le ring. Je pense que c'est tout à fait logique par rapport à Chikara. Romans de... euh, la, la, la lutte féminine est intégrée. On a des lutteuses dans le roster. Euh, la, la, la. Le AI Booking Style. Ça, ça ne m'intéresse pas trop. trop. Euh, bon, ça, on va laisser ça comme c'est. Je ne touchera pas à ça. Bon, on va regarder ça. La lucha de apuesta is a big deal and is taken very seriously. Les fans vont s'attendre à 80% de match et 20% d'angle. Les TV shows, ça va être 70% de match, 30% d'angle. Je pense pas qu'on est rendu là. Euh, les ratios des combats, c'est 40, 60 ou 40%, 55, 45 entre l'action dans le ring qui, qui prémouvoie, puis la popularité du lutteur. Ok. Euh, le style lucha est facile sur les lutteurs et il euh, blesse pas trop les lutteurs par rapport à, à sur le long terme. Euh, les fans seront pas contents s'il y a des choses dangereuses, controversées ou euh, des choses saignantes. Euh, les matchs de moins de 10 minutes, on pourra pas avoir un world class score. Les matchs high candy, dead match, dangerous match, ça marchera pas. Les angles risqués, ça passera pas. Les angles basés sur le sex ça passera pas. Ok. Toutes les lutteurs devraient avoir une gimmick, c'est la Chikara. Euh, il, les fans vont s'attendre à avoir des storylines, ce qu'on n'a pas pour le moment. Toutes les shows vont s'attendre à avoir un match storytelling, un match high spots. Ok. Le hardcore. Euh, les hardcore skills sont pas considérés pour les ratings. Les, les spectateurs ou le niveau de spectateurs est très influencé par l'état de l'industrie de la lutte euh, les crazy bumps les stun bumps vont donner des boosts euh, les lutteurs avec des, des gimmicks comiques peuvent être des stars ou des stars majeures pour la compagnie avoir un lutteur qui est euh, démasqué va être un big deal ou quelqu'un qui se fait euh, raser la tête, ça va donner du hit. Ok, c'est intéressant, je trouve que c'est très logique par rapport au produit. Storyline, il y a rien. Attends, pour, on pourrait tout de suite regarder le roster. Il euh, y a des tours que je connais, il y a des tours que je connais pas, mais je suis pas le gars qui connaît pas la Chica Rush. J'ai regardé ça un bout de temps, très déçu que ça ait été fermé en passant. Puis euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais je pense surtout que ce qui est le fun, ça va être d'ajouter des lutteurs avec des gimmicks complètement débiles à ce roster-là. Donc, euh, voilà. Amazis. Amazis est en équipe avec euh, Ophidian pour le Osirian Osser Portal. de ce que je peux voir? Bon, là, Astor Au lieu d'avoir des gimmicks, des, des, des stats fixes, c'est des, des stats qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre. C'est ça que je comprends. Là. Euh, je regarde ça. Amazis est un bon lutteur comme... Euh, une bonne base, il peut faire du real, il y a un style de lucha. Euh, je regarde ça, le charisme. Ça peut aller jusqu'à 99. Le micro peut aller jusqu'à 86. Acting est pas mauvais. ce pile est pas mauvais. Ça est un bon lutteur. Euh, je sais pas trop. 22 euh, ans hein, avec beaucoup de potentiel. Ares, qui est une grosse star, un hein, des, des top heels de la... Euh, euh, la, 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 la Chikara, ça c'était un lutteur qui avait été. Je me rappelle que la première fois que je l'avais vu, c'était à la, la WxW contre Claudio Castagnoli, qu'on va voir plus tard, qui va devenir Cesaro. Bon lutteur technique, un gars qui a beaucoup de charisme, capable de jouer au micro, comme ça a été un gros gros euh, heal à la Chikara, donc un bon élément. Nous, on est dans les Great Lakes, donc en ce moment, il est populaire là-bas. J'ai pas trop regardé pour Amazis, pas le gars le plus populaire en ce moment, mais. Donc, euh, c'est ça, populaire dans le Great Lakes. Brody Lee, ça je suis vraiment content parce que je suis un, un, un gros fan de Luke Harper Brody Lee, appelez-le comme vous voulez. Pas super populaire à ce moment-là. Il vient de terminer son équipe avec Grizzly Redwood euh, à ce moment-là. Il commence en heal, bon brawler, un gars avec plein de potentiel, assurément là, un gars qu'on va pouvoir euh, faire quelque chose avec. J'ai toujours été un très grand fan. Euh, je regarde ça là le niveau de menace c'est à 62 ce qui est quand même bon tellement de stats mais je trouve pas que c'est friendly je trouve pas que c'est un user friendly tout ça personnellement comparé à au 2016 mais c'est correct euh, Bryce Renberg qui va être un arbitre je pense staff member euh... Comment je suis? un peu là. Plarté. Talk to worker. Je pense que c'est un arbitre. Donc, euh, ça va aller pour ça. Cheech, qui est en équipe avec. Euh qui n'est pas en équipe avec, euh, non, c'est pas avec Chung, mais c'est avec euh, Casey Day, je pense, qui est Cloudy. Une équipe de stoner. Bon, euh, bon high flyer. Encore assez jeune à, à 27 ans. Chuck Taylor, 23 ans à l'époque, beaucoup de charisme, beaucoup de potentiel. Il est en équipe fist avec le Grand Akuma et Icarus à l'époque des Top heels Claudio Castagnoli, qui est un de nos major stars. Les stats sont superbes. Le gars est populaire. Je ne sais pas si on va pouvoir garder ce gars-là longtemps, mais le temps qu'on va l'avoir, on va, va s'en servir. Euh, Colin Delaney, qui est un heel, qui, 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 je ne sais pas si vous vous rappelez de son passage mémorable à la ECW comme cher à canon. Ça avait été très. J'avais bien aimé. Moi. Puis, euh, c'est ça, les stats sont vraiment pas top, mais le gars a l'air d'avoir comme. Non, même pas, même pas de charisme. Mais un bon selling! Euh, voilà on verra pour lui là si euh, on voit que ça, ça, ça donne rien mais il est well known donc il est déjà populaire là. Crossbones un gros brawler euh, les stats sont pas top même son selling est pas haut Stamina, mais on va lui donner un peu de temps son power est bas pour un gars de euh... OK Daisy Hayes, ça ça a été une lutteuse euh, indépendante, quand même, vraiment populaire à cette époque-là. Peut-être moins vers cette époque-là, mais je sais qu'elle avait été très populaire à la Ring of Honor. Puis euh, la Shimmer, elle a lutté à la Chicago et est considérée comme une star. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, elle a des bonnes stats. Puis euh, quand même bonne technique aussi. Ça va être intéressant de voir ce qu'on va pouvoir faire avec elle. Dasher Redfield, le dernier champion de la Chicara, qui l'a commencé pas mal sa carrière. Euh, 23 ans. Pas vraiment hautement considéré par les fans. Les stats sont intéressantes. Son charisme peut aller quand même aller euh, se rendre pas mal loin. Ça, ça c'est des bonnes nouvelles. Ça va être à voir. Delirious, qui était un. Un membre important euh, de la Chikara aussi, même important de plein d'autres fédérations. Sa psychologie, est quand même bonne. Euh, Est-ce que c'est niveau de respect Parce que ce gars-là, c'est un road agent aussi. Euh, respect. What does what your respect 32 Pas assez haut. Encore. Mais un euh, bon lutteur okay, là, On voit, le real, c'est quand même bon. Technique, c'est quand même bon. Il y a du potentiel. Il y a des choses à faire avec ça. Eddie Kingston, qu'on connaît maintenant à la AEW, encore toute jeune, de 24 ans à ce moment-là. Bon brawler, bon micro, bon charisme. Ce gars-là, ça va être une valeur sûre, à mon avis. hi-ho, de l Ice Cream, qui, va, qui est le partenaire de... Euh, voyons. Ice Cream Jr. Donc, euh, qui font Lost Ice Cream ensemble. C'était pas mal des jobbers pour commencer, mais c'est une équipe qui est devenue pas mal populaire et qui a gagné des titres éventuellement. Equinox qui est Jimmy Olsen. J'ai pas trouvé une photo d'Equinox de avec son masque, donc euh, je vais les gardé comme ça. Je vais peut-être regarder ça pour autre, un autre épisode. Les stats ont l'air moyennes, mais vraiment jeunes. Donc, on verra ce qu'on va faire. Il est pas très considéré très, très important, en tous les cas. Fire Ant! Qui est euh, maintenant Orange Cassidy, là, à moins que vous euh, considériez que ce soit euh, une honte de Kayfabe, que je vous le dise. Aucune popularité, mais champion par équipe en ce moment avec le Colony. C'est un bon lutteur. Ariel à maximum 37, c'est ridicule à mon avis. Mais on va, on va faire ce qu'on peut avec les autres. Là. Fire Ant puis Green Ant. Les, les, la, la tradition des fourmis est pas mal importante à la Chikara. Frightmare, lutteur que j'aime beaucoup. Excellent High Flyer. En ce moment, il babyface. Pas populaire vraiment. On va pouvoir faire quelque chose avec lui, ça c'est certain. Euh, Gran Akuma, qui est un des, un des, des bons heals aussi. Euh, c'était plus le worker là, du groupe. Là. Akuma, puis c'était plus Chuck Taylor, puis Karis, qui était le charisme. Mais voilà, fait partie de Fist. Green Ant, le partenaire de Fire Ant, qui est un bon lutteur et tout. Ses stats vont, sont encore tellement jeunes. Ah, il a 20 ans seulement. Encore un bébé. Grizzly Redwood, partenaire de Brody Lee. Euh, c'est pas Brody par contre. Grizzly Redwood. Le, ses stats sont pas top. Au niveau du brawling, tout ça. Ça va être de voir qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire, mais on verra. On verra. Alla Wicked. Ici, partenaire de Frightmare dans le Spectral Convoy. Pas un gros brawler, mais généralement, c'est un bon lutteur. Euh, 28 ans. Je sais pas trop. Ses stats sont pas top. On va voir ce qu'il va être capable en mesure de faire. Elios, qui est Ricochet. Imaginez. Ricochet, qui est euh, 21 ans là-dessus. On va essayer de faire quelque chose avec lui. Là. Je ne sais pas trop là, dans quelles circonstances. Là. Ça va sûrement être juste du in-ring dans son cas. Mais voilà, euh, on a Ricochet dans le roster. Icarus, qui était, à mon avis, le, le, avec Chuck Taylor, le, 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 le top. Un, un des meilleurs gars pour avoir du heat vous verrez jamais c'est tellement fun parce qu'il est passé comme du ultime à le face ultime quand Klachikara est revenu finalement euh, bon, bon lutteur, ses stats sont pas dégueulasses ça va être un gars qu'on va pouvoir faire des trucs avec, j'en suis certain euh, Ice Cream Junior, même chose que pour Helehiho de l'Ice Cream pas top mais on, on va trouver, je pense que les stats sont vraiment pas mauvaises en fait, je m'excuse de dire que c'est pas top je pense que ça va être correct Jack, qui est le partenaire de Shane Matthews de 2.0. Euh. Ce que c'est des gars comme un assez charismatique. C'est des Québécois, ça. Euh, en ce moment, ils sont considérés comme, ils sont considérés comme pas importants. Mais bon. 2000$ par mois. 20 2200 par mois ou 20 dollars par show il n'y a pas de downside donc euh, faut aller l'utiliser sinon on va le payer 2000 pièces euh, hey, jigsaw jigsaw c'était un lutteur à la chikara toujours trouvé qu'il était vraiment bon ses stats sont corrects pas de menace 0 en sixième pile 9 en star quality je trouve que c'est un peu un peu dur un peu dur. Pour un douteur pas dégueulasse. D. qui est le parfumer de Claudie, bon, euh, high flyer, sans plus. Leonard F. Chick qui est un staff member. Il est bon micro. Bon acting. Lindsay Dorado, qui était là à l'époque. Un bon reel, un bon flashiness. Des bonnes stats, mais très très peu connu à ce moment-là. Mike Quackenbush, qui est le, le top. Euh, le, le top face en ce moment. Populaire. Euh, super bon lutteur technique. Euh, niveau du micro. Puis tout cas, c'est pas top, mais un bon lutteur. Donc, euh, il va certainement être un des gars les plus intéressants à voir évoluer. Son respect à 37. Euh, et j'essaie de voir son, son psychologie 369-77. Ah oh, ouais, il y a quelque chose à faire avec lui. Nick. Papa Giorgio. Je ne connais pas. Il est un ref ou un... Ref-Ring entre 43 et 51, I guess que c'est ce qu'il fait. Je ne sais pas. Ophidian, Bolter, High Flyer. Regardez ça, ses stats sont quand même bonnes. Ils vont jusqu'à 81. caisse euh, mais oh, mais microphone, il ne parle pas. donc... Euh... C'est ça, je pense que ça va être un de nos bons, un bon, un de nos bons éléments. Toujours beaucoup aimé ce lecteur-là. Pas les mains qui nous. Qui va, on va sûrement être pas mal le Booker, le Road Agent dans ce... Dans ça. Ce... Pink Hand qui est Pinky Sanchez. Euh... Moi j'ai tendance à dire... Euh... En ce moment, il va juste être Pinky Sanchez. Pinky comme ça. Toujours bien aimé Pinky Sanchez, mais ce gars-là était beaucoup trop trop mince. Euh, C'était vraiment un gars mince. Euh, comme. J'allais dire comme 60 livres. Là. Vraiment un petit lutteur. Mais toujours trouvé qu'il était charismatique. Bon micro, puis les stats ont l'air de donner ça. C'est dans le ring qui n'a pas l'air vraiment top. Là. Zéro, presque rien en brawling, tout ça. Player 2, et Player 1, Player dos, Qui est euh, Stu Grayson. Est lui qui va devenir Stu Grayson. Un bon high flyer et Player Uno que ben Stu Gerson et Player Uno qu'on connaît maintenant à la AEW. Pas des mobilitaires, pas des, des gars avec quand même du charisme aussi. Ryan Taylor, je sais pas c'est qui. Mais il y a des bonnes stats au niveau du micro. Donc ça c'est fun, c'est intéressant. Sarah derrick qui est considérée comme une star. Elle a des stats vraiment bonnes. Euh, c'est elle que je compte faire un peu notre top heal pour commencer. Ce que je trouve qui serait quand même vraiment intéressant. Euh, c'est de Rick qui serait la championne. Shane Matthews, autre, un autre lutteur québécois. Les stats sont pas géniales dans le ring, mais pas mal charismatique. Ça, c'est pas mal bon. Hâte de voir ça. Soldier Ant, un autre lutteur de la colonie qui est Drew Gulak. Donc, euh, la technique est bonne. C'est encore tellement jeune, 24 ans. Micro tout ça c'est vraiment pas euh, top par contre alors que c'est un gars très charismatique Stigma j'ai pas trop compris lui j'ai pas trouvé que c'était vraiment un bon lutteur ses stats sont pas top euh, mais voilà ça a toujours été je trouve trouvé qu'il était comme euh, un lutteur qui était vraiment protégé lui à la Chicara. Sugar Dunkerton qui est le partenaire de euh, Dasher Atfield des grosses stats au niveau de lutte mais au niveau du charisme tout ça c'est bon pas grand ah. chose à dire d'autre euh, Tim Duns, qui était un gars je m'appelle avec pas mal de charisme à l'époque était bon au micro euh, là on voit son stamina est bon athleticism c'est bon euh, sinon c'est pas mal tout mais pas considéré très rôle. il est encore jeune 21 ans et Ultraman is Black qui a des stats corrects dans le ring mais du bon charisme du bon micro ça, c'était un, un sale heal. Puis, on va voir de quoi pour lui. Et finalement, Vin Gerard, qui euh, est un temps des super bonnes stats. Qui est considéré comme... Qui est heal, mais qui est considéré comme une star. Donc, voilà pour ça. En ce moment, on n'a aucun storyline, mais ça nous en prend un avec un heal de 20 pour répondre à la demande des fans. Et qu'on va faire un storyline. Euh, nos équipes qu'on a. 3.0 est là. Crossus, donc Cesaro et Ares, donc tout plein de variations de ce clan-là. Euh, Desiase et Sarah Del Rey, et Lintel Dorado et Pinky Sanchez. Chichin Cloudy, Allo Wicked et Jigsaw sont une équipe. Jigsaw et. Non, je pense pas que ça c'est une équipe en ce moment, ils vont être inactifs. C'est bon, c'est sauvegardé. Uh, Lost Ice Cream, Microactive et Jigsaw, The Colony, qui ici uh, Soldier Ant et Fire Ant, The Ozarian Portal, les Roughnecks qui sont en ce moment inactifs, Le hein? Spectral Convoy, Super Smash Bros, The Throwbacks et Unstable. Ok. Et uh, ensuite uh, nos clans. Il y a le Brûlot Schaf de Qui Ok, c'est Ice. Claude Castagnol, les Daisy Ace Delirious, Pinky Sanchez, Sarah et Tim Dons Fist, Chuck Taylor, le Grand Akuma, Icarus. La Colony, Fire Ant, Green Ant, Soldier Ant, le Osirian Portal qui est juste à Mansus et Ophidian. Le Spectral Convoy. Et là, c'est bizarre parce qu'Ultramanus c'est il et Frightmare et de son Face. Et est Unstable, Colin Delaney, Stigma et Vin Garrard. Niveau créatif maintenant. Je vois uh, notre franchise player, on en a juste deux. Donc c'est Claudio Castagnoli et Eddie Kingston. Huh. Next big thing, Shane Matthews. considered as comme next big thing, Sugar Dunkerton et Fire Ant. Uh, et uh, il considère que Shane Matthews pourrait atteindre le superstardom. Hot prospect: Colin Delaney, Ophidian, Shane Matthews, Grizzly Redwood et Sugar Dunkerton. Les meilleurs micro, Paul Heyman. Shane Matthews, Claudio Castagnoli, Ultramantis Black et Eddie Kingston. Les showstoppers pour les meilleures performances. Claudio Castagnoli, Daisy Hayes, Delirious, Amazis et Shane Matthews. Les générales du ring. Sarah Del Rey. Wow. Michael Hackenbush, Claudio Castagnoli, Delirious et Daisy Hayes. Qui est hot? Personne. Qui pas hot? On ne sait pas. Eden Jam, Darren Corbin. Michael Fassad. Derek Frazier, Mike Mondo et Steve lewington. C'est eux qui me considèrent comme que ça pourrait être vraiment hot. Ok. Show history, on n'en a pas. Annonceur. Ça dirait Mike Bush et Ultraman Black qui est vraiment haut classé. Qui j'ai d'autres J'ai pas les mêmes qui pourraient faire la job. C'est parce que si j'ai Ultraman Black, il ne pourra pas lutter. Il va falloir que je me trouve un annonceur de plus. Chemistry, ça on ne sait pas encore. Nos finances, on n'a rien d'autre de plus. Nos contrats. Ok. J'avais jamais regardé cet écran-là. C'est quand même beaucoup d'informations. Là, il n'y a plus vraiment de, de, de main event, de permit carder. C'est juste la perception des fans qui décident euh, pour les lutteurs. Euh, euh, events in TV. Donc là, en ce moment, on a 12 shows. Notre dernier show serait le quatrième. Euh, le, dernier de, pardon, le dernier samedi du mois de janvier, on aurait A Touch of Class qui serait notre pay-per-view de retour. Et on aurait le King of Trios au mois d'avril qui serait un gros pay-per-view. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, Pre-booking, on n'est pas rendu encore. Notre size. fait qu'on n'est pas gigantesque. On a de la popularité dans le Great Lakes à 24. Ensuite, on est à 15 dans le mid atlantic 8 dans le Mid-South, 9 dans le Mid-Ouest. 8 dans New England, 8 dans Northwest, 8 dans Southwest, 8 dans, dans South East, 18 dans Tri-State, 8 à Porto Rico, 8 à Hawaii. C'est pas top. Mais euh, le Tri-State et Great Lakes sont quand même à un certain niveau. Euh, si on veut avoir un TV show, ça va nous prendre pas mal du small. Ça va être pas mal le way to go pour au moins avoir un poste de télé. Euh, mais je pense que ça peut se faire. Ce sera peut-être pas rapide. On trouvera pour voir des, des stratégies. Euh, mais il faut se rendre à 35 au Great Lakes. Pour passer en small je pense qu'on va pouvoir regarder pour faire peut-être un deux shows great lakes un show dans le tri-state voir comment ça va se passer euh... ça me va pour ça c'est bon j'étais là backstage notre backstage est à 73 est-ce euh, qu'il des gars qui ont des influence négative négatives. Les héros de l'ice Cream, vingera Il fait des grosses pas grosses... négatives. broodily est ami avec pas mal de lutteurs, donc ça, ça serait, euh, pense, il va être pas mal important de le garder. Pas de drogue, pas de smoking. Puis on a plus de gars qui amènent du négatif que de gars qui amènent de positif, de ce que je comprends. Puis Shane Matthews et Jack sont Broadcasting. Fait que là, si on voit ça, viewer, broadcaster, on fait une recherche, on se dit, quelqu'un qui va négocier avec nous autres. On a juste YouTube qui pourrait négocier avec nous autres pour un show télé. Puis si on voudrait négocier, ça ne se serait pas parce que... Euh, YouTube a le maximum de compagnies qui sont en train de présenter leur show en ce moment. Peut-être qu'on pourrait attendre une journée pour voir qu ce que ça va donner, là, mais sinon c'est la seule compagnie qui serait prête à nous donner un TV show. C'est pas beaucoup. Puis euh, pour le reste, si mettons, on regarde un broadcaster aux États-Unis, bla bla bla, euh, commercial puis que je regarde quelque chose de petit, mettons small ou tiny. Tough TV. Tough TV... Euh... On n'aurait pas la popularité nécessaire pour pouvoir avoir une chance. On doit avoir 23 de popularité dans 4 régions. Euh, mettons que je serai avec un autre, mais c'est du small, mais je sais pas avec le small. Comme ici, il faudrait avoir une grosse compagnie, que notre production de qualité soit in-house, blah, 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 Je pense qu'on n'est pas rendu à penser à des affaires de même. Mettons que nous, on est dans le Great Lakes. Il faudrait qu'on soit small pour pouvoir avoir notre petite poste à, à, au syndication du Great Lakes. Ce qui est pas mal. Ce serait pas mal le minimum là, en termes de, de poste, de télé de ce qu'on pourrait regarder. Donc, il va falloir qu'on grandisse. C'est ça que ça veut dire. Euh, OK. Puis j'ai pas de développement. Fait qu'on a pas mal tout à regarder ça. Maintenant, mon main event de mon premier show. Ah ah ah, je vais vous dire, ça va être quoi. Ça va être un 1 contre 1. Avec, d'un côté, Sarah Del Rey et Mike Quackenbush, qui est mon top face. Euh, je veux faire le quoi, là, comme. Euh, je veux faire de quoi, qui donne un impact, dans le sens que je vais donner un spot à une femme. Pour bien, bien nous, nous, nous classer par rapport à notre style. Donc, notre main event va être un starter Rick contre Mike Bush dans un combat, j'imagine, qui va être extrêmement technique. Le titre en jeu, il n'y en a pas parce que le titre n'a pas été créé encore. Ah! Euh, create the title. 1%. No limit pas de limite de genre. Floating. C'est toujours bon de mettre Floating dans votre level. Ça va, pas, ça va permettre de. Il va pouvoir passer du temps à temps sans nécessairement trop perdre. C'est ça. Non, ça pour le reste, ça va. euh, euh, euh. euh. Tu peux faire un edit. Chikara. Use ce titre-là. Est-ce que je vais prendre un titre nowhere si ça devient trop compliqué? Yeah. En ce moment, nos champions uh, King of Trios, c'est Chuck Taylor, Guanacuma et Icarus qui ont été les derniers champions. Uh, Young Lions et Player DOS. Uh, et nos champion par équipe, les Compagnons de Pareilhas, c'est Soldier Ant et Fire Ant. Bon, pour avoir une chance au titre par équipe, selon la logique de la Chicara, il faut avoir trois victoires en combat tag team avant d'avoir une victoire. Donc, ça, c'est pas mal intéressant. On verra pour ce combat-là euh, comment ça va se passer. Mais, euh, ouais. Donc, pour avoir une chance pour les titres, il faut avoir trois victoires de suite. Donc, euh, voilà pour ça. Euh... Ok. Fait que, regardez ce que je vais faire. On va avancer jusqu'à notre événement. Je vais bouquer. Puis, euh, je vais tout faire les changements toutes les affaires pendant ce mois là mais pour le reste on va avancer un mois entier pour se rendre jusqu'au pay-per-view et puis ben on verra ce qu'est ce qu'on pourra faire ensuite ok donc à tantôt tout le monde ok donc notre chose s'en vient je vais juste regarder les nouvelles brother ray a signé à la wwe Kenta, une grosse rivalité. Nick Dinsmore, réengagé à la WWE. Ken Don réengagé. Il faudra, faudra regarder un peu qu ce qu'ils font. La NJPW fait un show à 78 avec un main event avec Nakamura et Masato Tanaka qui a battu Liger et Toji Makabe. Eh bien. Et on avance. On avance. J'ai mis le show à 2h30. J'espère que ça va être assez. Je pense que oui. Ok, donc, vous voyez ce Bobo King. On y va tout de suite. Oh, des incidents. Avec Stigma. Stigma est du hit avec le reste du Locker Room pour son attitude. Euh, ça peut être une... Euh... Ça peut devenir vraiment mauvais si on fait pas rien avec ça. On va lui donner un bon avertissement. Rien ne se passe. Leonard Chikorosin. Et la même affaire. Bon avertissement. Ça a un, un impact négatif sur lui. Ultramantis. Oh, il est en train de fumer. Ce qui brise la règle du locker room. Une petite tape sur le poignet Et Frightmare et Sarah Derry. Frightmare a amené au court. Euh, il a pas serré la, il de serrer la main d'un débuteur. Sœur de lui le mis coupable. Et il doit acheter des brinks à tout le monde après le show. C'est bon. Qui euh, qui est absent Oh, j'ai pas Claudio. Puis j'ai pas des Yates. Puis j'ai pas des Darius. Oh. Puis j'ai pas Bryce Rensberg qui était mon arbitre. Oh, pas prévu ça. En tous les cas, on va faire ce qu'on peut. Donc, euh, OK. Allons-y. Euh... Ok, oh, c'est mon office. Oui, J'avais même pas vu cet écran-là. Ok, on va être dans Great Lake. Ça, c'est bon. Bon. Euh... Voyons, pre booking. Ok. Donc je vais booker le show et on va se voir après. Euh, Attends tout le monde. Ok. On commence. On est devant 221 personnes. J'ai comme l'impression qu'on va perdre beaucoup de sous avec ce show-là. Mais en tout cas, on va voir. Donc un free show, CJ Parker s'entraînait à Tim Dunst. Euh, c'est ça, c'était pas une grosse performance, c'est Jay Parker. Je me suis dit, ah, oh, éditeur local, hein, notre futur Juice Robinson, on pourrait bien l'utiliser. Tim Duns va le détruire. Euh, c'est ça, vraiment pas grand chose de spécial à en dire. Tim Duns va l'emporter avec son Duns euh, Allons-y maintenant avec le début du show. Alors que, on a Mike Quackenbush là, qui veut euh, saluer la foule. Du Chikara pour annoncer le comeback, mais Sarah Del Rey et Ares arrivent, là, ils sont euh, pas contents. Ils sont pas contents, euh, en disant que Quackenbush, là, il s'est mis dans une position où ce qui, à cause qu'il il connaît bien la promotion et parce que c'est sa promotion, il s'est mis lui-même dans un combat de championnat ce soir, mais le PDK va tout prendre, va tout arrêter et puis va prendre le contrôle de la Chikara. En entier quand Sarah Delry va le battre ce soir. 27 pour ce segment-là, mais ça me donne un strong start. Aha! C'est bon signe. Combat, premier match. Le Spectral Convoy avec Ultramantis Black à fond 3.0. Le Spectral Convoy ont pas l'air de vouloir lutter avec euh, Ultramantis Black à leur côté. Ultramantis Black essayé de les contrôler durant le combat. Le Spectral Convoy ont pas comme l'air de comme pas avoir le choix. Euh, de l'écouter et puis euh, finalement là, le Spectral Convoy va l'emporter sur 3.0 à 11 minutes 34 en utilisant euh, Alors que Wicked va tricher et qu'il avait pas le goût de tricher mais Ultramantis Black avec son, son orbe va faire en sorte qu'il va contrôler son adversaire. 27 pour ce segment-là. On a Ultramantis Black qui ensuite dit que le Spectral Convoy est à lui, que c'est la première victoire avant deux autres victoires et que la Corée doit se préparer étant donné que le Spectral Convoy s'en vient pour dominer la Chicara. 31, notre plus gros segment jusque-là. Sugar Dunkerton arrive. Et puis, euh, il y a comme après ça, une espèce de fumée qui commence à se pointer dans le ring. Sugar tu ne comprend pas trop quest ce qui se passe. Et puis, pouf, une apparition fantomatique arrive. C'est la Lorona qui se pointe au ring, euh, qui est un, un fantôme, un, un fantôme de vengeur. Et c'est Daphné. Euh, je me suis dit c'était la meilleure personne pour jouer ce personnage-là qui va se pointer et qui va attraper Sugar Dragon, et qu'on va l'amener comme dans un film d'horreur, là, euh, en coulisses. Et puis, euh, on va juste entendre hurler, et tout le monde va comme, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe le... le rating pour le début de la gimmick de la Rona a été très bon, 28, c'est bon pour le segment. Un gros spot fest maintenant. chichen Cloudy, Green Ant, Lindsay Dorado, Lost Ice Creams et Crossbones. Et Crossbones arrive avec un lutteur mystère. Une momie, une momie russe. Donc Alexander Roussev arrive là. Il il est habillé comme une, une momie, mais avec un chapeau avec un signe communiste et un espèce de chapeau de cosaque. Et il va arriver dans le ring. Gros match. Euh, meilleure performance, Lindsay Dorado avec un bon 36. 31, c'est quand même un... notre meilleur match jusqu'à présent. Et puis euh, le Russian Mummy va faire son euh, camel clutch à Green Ant pour le faire abandonner et l'emporter. Crossbones et Russian Mummy qui sont deux gros gars qui vont aller chercher une grosse victoire. Je m'attendais à quelque chose d'horrible, mais finalement ça a été comme correct. Euh, ensuite, un six-man tag team match. Dasher Radfield arrive sans son partenaire Sugar Dunkerton, mais il l'est remplacé par Elios et Ryan Taylor pour affronter Fist, Chuck Taylor, Gran et Icarus. Un bon combat de 35, c'est notre meilleur segment jusqu'à présent. Et puis, euh, ben, les ils vont l'emporter, alors que Icarus va faire un low blow sur Ryan Taylor pour la victoire. On va garder Fist bien over et bien méchant. Des belles performances, 35 pour Helios, 37 pour Chuck Taylor. Mm hum, c'est des c'est nos meilleures performances. Jigsaw affronte Eddie Kingston dans ce qui est notre meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Une belle performance de 38 pour Eddie Kingston. Jigsaw là, qui va faire de son mieux pour arrêter un Kingston qui va être qui est le, le permanent badass de la Chikara. Donc on va sûrement, c'est sûr qu'on va faire de quoi d'important de avec Eddie Kingston au final. Backdrop driver pour terminer tout à 15 minutes 25. On a ensuite Equinox et les Super Smash Bros qui affrontent Unstable, Vin Gerard, Stigma et Colin Delaney. Euh, c'est mon spot match du show. Mais c'est pas des gros, un gros combat. Puis les deux meilleures performances, c'est Vin Gerard et Vi Colin Delaney qui les ont donné avec 32. Euh, au final, c'est les Faces qui vont l'emporter. À un moment donné, les Unstable vont tous rentrer en contact un contre l'autre. Et Equinox va faire un reverse power bomb sur Colin Delaney pour terminer le tout. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça. <laughs> Voyons. Ok, on a un match entre Grizzly Redwood et Brody Lee. C'est pas un gros combat. Mais Brody Lee va l'emporter sur son ancien partenaire avec un Running Big Boot juste pour bien classer et terminer ce combat-là. Je pense pas faire grand-chose avec Grizzly Redwood au final. Donc euh, voilà, un bon, une belle victoire de Brody Lee. On a ensuite Alaïs qui fait une promo en disant que bon, euh, lui et Peaky Sanchez le, vont, iront s'occuper. Euh, du euh, Osirian Portal, mais qui les fait bien confiance à Sarah Del Rey pour aller chercher le Grand Prix ce soir. Et le Osirian Portal affronte Ares et Pinky Sanchez. C'est un bon combat. Sauf que Ares et Pinky Sanchez vont perdre alors que Fidelian va faire abandonner Ares dans le combat. Et Ares va être extrêmement insulté. 43 quand même de performance pour Ares. C'est notre meilleure performance pour un lutteur depuis le début de la soirée. Finalement, le Colony affronte les... La nouvelle équipe de la Chicago, c'est toute surprise, mais c'est les vauts de vilains qui vont se pointer Oh que oui, Doug Williams et Simon Gutch. Je voulais pas avoir, voyons comment il s'appelait, Aiden English. Je me suis dit, un gars comme Doug Williams, ça va être euh, efficace. 57 de performance pour Doug Williams, c'est vraiment bon. Fire Ant et Soldier Ant. On était honnête, 31, mais 57. Pour une note de 35 pour ce combat-là, les Vaux-de-Vilain vont l'emporter clean avec le double armbar sur Soldier End pour la victoire sur les champions par équipe. Donc, c'est un combat bien important. Et notre main event Sarah Deluy affronte Mike Wackenbush dans un excellent combat de 45. La rivalité entre Sœurs Le combat va durer 19 minutes 20. Euh, très technique entre les deux, mais au final, Mike Quackenbush va faire un Quacken Driver pour l'emporter, remporter le World Grand Prix pour, le, pour être le premier champion. Et on va terminer ça là-dessus. On augmente notre popularité dans une région. Je pense que tout était correct à cette heure. C'est de voir est-ce qu'on a fait un sou avec ce show-là. Euh, moi, j'ai le goût de dire Sarah Del Rey a été un bon exemple. J'ai aimé Eddie Kingston qui a fait une grosse performance aussi. Puis Doug Williams. Ça devrait être content. Eddie Kingston est content. Doug Williams est content. Hey, je dois dire, l'interface est tellement plus compliquée pour rien que la... 2016, ça a été vraiment long. Juste que j'ai pas mon calepin quand je book. Que je dois aller dans une autre page. Oh, ça m'énerve. Euh, je regarder c'est quoi. Oh, Sean Whiteman va à la WWE. Joey Ryan va à la WWE. Last night. Chikara Touch of Class. Notre feedback a été très positif. C'était un bon show. Bon. Il faudrait savoir. Euh, ok. Mes finances. Je suis 52 000 dans le trou. Holy moly! Il va falloir que je baisse mon montant de production. J'ai tué cet argent-là. <laughs> 52 000! Bon, j'ai 240 000. Fait que je peux m'en sortir, mais. Holy shit! Euh, 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 euh. Où est-ce que je vois pour ma production? Euh, 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 euh. Euh, well. euh, euh, uh, 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 uh. uh -huh. Doit être là. Non. Euh, voyons ce que je trouve ça. Production. On c'est ça. Non, ça me prend ça. Je comprends un peu. Mes rivaux ont les plus hauts niveaux que moi, mais euh, faut sauver de l'argent, On va jouer hein? Ils vont baisser autres leurs prix à un moment donné aussi. Parce que j'ai trop de lutteurs aussi. Je sais pas combien j'ai fait en vente de billets. 2000$ seulement. Mes workers m'ont coûté 15 000. 67 000 en production. C'est pas réaliste. Ça. Comment tu veux arriver à quelque chose en faisant ça? Euh. là, ça nous coûterait. On va downgrade encore, mon Dieu. 7500$. On va y aller en volunteers, merde. Broadcast quality semi-pro. face ça, amateur musique 500 pièces. Là, là ça commence à avoir lueur. je m'en fous euh, on... euh... là là c'est pas un manager euh, 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 euh... c'est un worker ok donc on a perdu beaucoup d'argent mais euh, je pense que ça devrait être correct pour la suite, ou du moins, là, ça devrait. on devrait gagner en popularité, faire de plus en plus de ventes. Euh... Les sponsors vont peut-être nous rapporter moins, mais en même temps, les sponsors, c'est vraiment pas assez. Aucun sens. Comment vous voulez qu'on. <laughs> Comment quelqu'un peut penser qu'on va faire autant d'argent avec ça Ça nous prendra un roster de comme 8 personnes. Donc, puis même là, ils ont, ils... On, les a pas payés... on les a pas payés cher, là, nos lutteurs. Là. On a payé nos lutteurs 15 000 Au total, le show a coûté 1 500 Ah, en tout cas. Donc, je vais voir ça. On va continuer. Puis, euh, je suis sûr que ça va augmenter puis que les choses vont bien aller au final. Mais voilà. Donc, voilà pour cet épisode J'espère que vous avez apprécié. C'était toute une expérience pour moi. <laughs> on va voir pour la suite comment ça va se faire. J'espère que vous appréciez. Salut tout le monde. À la prochaine.